petit chéri, on se retrouve à Central Park. J'espère que ça va vous occuper pas trop la sirène. On se retrouve à Central Park encore, vous allez me dire. Je m'en vais rejoindre ma sœur. Elle s'est levée beaucoup plus tôt que moi ce matin. Moi j'ai dormi jusqu'à 10h. Ça m'a fait genre énormément de bien. Et on se retrouve dans cette magnifique journée d'Halloween à New York. C'est une dinguerie cette phrase, c'est une dinguerie. Donc voilà, on va découvrir comment ça se passe Halloween à New York. Je pense que ça va être un truc de fou. Et du coup je vous emmène et on partage tout ça ensemble mes petits chéris. Que vous devez savoir que moi je ne savais pas vraiment, je vous partage, enfin j'essaie de vous partager un peu plus mes impressions parce que déjà on me le demande et je le fais pas assez. On me le demande en DM, je suis en mode purée, mais Ilona, tu oublies de dire trop de trucs. Déjà, je vais faire une grosse vidéo bilan à la fin de mes 2 mois à New York parce qu'il y a trop de choses à dire. Mais un truc que vous devez savoir et que je montre jamais dans mes vidéos, c'est le métro. Le métro à New York, ça me choque comment il est catastrophique. Déjà, j'ai jamais eu autant de problèmes sur les lignes de métro que cette semaine. Il pue, mais genre vous avez même pas idée. C'est sale. Pareil, vous avez même pas idée. Moi je pensais que le métro à Paris il était sale de fou. Vous avez pas vu celui de New York, hein. Franchement. En plus, les Français que je connais ici, quand ils rentrent à Paris, ils ont l'impression qu'en fait du coup, c'est propre Paris. Pour vous dire le niveau de crasse des métros new-yorkais. Et aussi, il fait une chaleur, mais j'ose même pas imaginer ce que c'est l'été. Dans le métro, pas dans les wagons, parce que dans les wagons il y a la clim, mais juste dans les stations de métro, il y a une chaleur mais qui est lourde, qui est vraiment mais ultra intense. Je comprends pas pourquoi. Même quand il fait 15 dehors, il fait super chaud genre dans le métro. Donc quand il fait 40 dehors, j'ose même pas imaginer ce que c'est. Mais bon, voilà, petit point de New York. De toute façon, j'ai encore trop de choses à dire, mais je trouve que genre ce petit truc, cette petite anecdote, on va dire, pas beaucoup de personnes en parlent, enfin, en tout cas dans les influenceurs, pas beaucoup de personnes en parlent, alors que c'est genre les métros new-yorkais, c'est catastrophique quoi. Bref, ma caméra elle est lourde. Et qu'est-ce que je voulais dire? Aujourd'hui il fait 26 degrés, c'est bon pour vous? Alors incroyable, ciel bleu, soleil de fou, les 26 degrés en plein mois d'octobre, moi ça me fait un peu peur, on va pas se mentir. Mais bon, après il peut faire 26 degrés et dans 2 jours il fait 15. On perd 10 degrés mais vraiment en l'espace de 2 jours, même pas, des fois on peut perdre 10 degrés en l'espace d'une nuit. C'est vraiment particulier New York parce que c'est vraiment connu aussi pour ça. Mais bon, pour Halloween, ça nous arrange tous. Comme ça, on peut sortir notre meilleur déguisement sans se les peler. Et ça, c'est pas mal. Et du coup, là, je marche au bord du lac. Je pense que vous le voyez derrière moi. C'est magnifique. Bah, c'est là où je cours aussi très souvent. Et j'adore. C'est incroyable. Tellement raison, beige c'est vraiment mieux. Ouais, je trouve ça. J'avais hésité avec la rose, mais beige. Hein. Ça va avec mon outfit tout le temps comme ça. C'est ma petite chérie. Ah, ma petite chérie. C'est son cadeau pour me remercier de l'avoir hébergé à New York, du coup. Je suis croquatine. Voilà. Elle est trop belle. J'ai aidé. Fallait voir pour prendre mes tickets. Désolée, je me recoiffe tout le temps, c'est insupportable. On devait prendre les tickets et en fait le Met Museum, genre quand t'habites ici, bah c'est gratuit, enfin tu donnes ce que tu veux. Bah forcément je voulais donner ce que je voulais. Et j'ai cherché genre pendant 20 minutes, chercher mon bail d'appartement, mais je ne le trouvais pas. Et il a eu pitié, il a dit non mais c'est bon, vas-y, je te crois. Ça va, mais je trouve pas le bail. Pour moi, dans notre pays de base. Ah ouais. On est dans la partie European Decorative Art. Ça nous manquait un peu l'Europe. Ouais, mais et franchement, on peut être fier hein, si ça c'est pas beau. C'est vrai. Les gars, on a encore reçu 2 cookies. Je comprends pas. C'est dingue. J'ai payé qu'un cookie. Personne, elle est contente. Elle va en avoir un du coup. Ah, on s'installe. J'ai mal au pied. 3,50€. Enfin, 3,50€.
3,80 avec les taxes. C'est un peu cher pour un cookie décongelé, mais néanmoins il est très bon. Mais il y en a eu d'autres. Ouais, c'est pas cher finalement. C'est gratuit. Regardez l'intérieur. Vous allez voir. Crash test de la Stanley Cup. Je suis insupportable. Oui, elle est pas lavée. Franchement. On avait soif. On avait pas envie de payer une bouteille d'eau super chère. Mais j'ai rincé. L'eau, elle est meilleure dans une Stanley. C'est magnifique, hein, c'est fou. Mais ça fait... Là, je me sens comme à la maison, là. Ça fait tellement Paris. Après, on est vraiment dans la partie européenne decoration, genre, comme ça. On n'en est pas sorti? Non, je crois pas. Ah, la petite carte. Alors? Eh ben, pas du tout. J'ai mis du somme dans... L'American Wing. Oh, viens, on va là. Okay. Arms and Armor. C'est les armures de par l'époque. Ok. Oh, il a la bedaine. La petite bedaine. Franchement, quand même, à l'époque, c'était vraiment dans le souci du détail. Hein. Mais elle est incroyable. On est dans la fameuse partie égyptienne. C'est là où se passe le Met Gala. Dans le dîner du Met Gala. Ouh, le beau contre-jour. On est bien là. On est très très bien là. Moi, ça me choque de me dire que c'est des vrais humains qui ont créé ça et que c'est des vraies années, enfin que c'était, ouais, ça a vraiment existé, ces civilisations égyptiennes. De toute façon, ça me fait ça avec tout, mais bon. Et ça s'appelle le temple de Dendur. Dendur, Dendur, je sais plus. Dendur, voilà. Ça me choque. Franchement, j'ai toujours voulu en voir des vrais. C'est incroyable. Purée, c'est fou. Mais j'adore. On est bloqué avec des enclumes. Non, c'est fou, par contre. C'est inondable. Vous voyez vraiment mon rêve de voir ça en vrai, genre d'aller au Japon et de voir ça, c'est incroyable. Bon, là les gars, direction Chipotle. J'ai ma veste, il fait trop chaud. On se balade en même temps, on voit toutes les décorations d'Halloween, c'est trop beau. On a le petit tabasco là, parfait. Perfect. On va aller chercher. Encore, j'ai mangé beaucoup de pâtes. Mais ma viande est super bonne. C'est bien goûtu. Ah ouais, c'est trop bon. C'est bien relevé et tout. Ah, les Américains, hein. Bah, en général, leur nourriture, elle est assez fade. Ouais, tu penses à quoi? Bah, genre, typiquement, les trucs que j'achète dans le supermarché, je trouve que tout est fade. Le cream cheese, il est fade. Le yaourt, il est fade. Je sais pas. Tous les fast-foods que j'ai fait jusqu'à maintenant, je trouve que c'est pas fade. Mais là, c'est vraiment pas fade. Trop bon. Ah, tabasco, ça gâche un peu le goût. J'ai chaud. Bon, mes petits chéris, on va prendre la direction Bath & Body Works. Parce qu'on aime trop ça. Elle sent bon, celle-là. Ouais, celle-là, je valide aussi. Regardez les packaging, comme ils sont incroyables. Regardez-moi cette beauté. Non, mais ce packaging, je peux mourir pour ça. C'est incroyable. Les gars, mon problème, c'est que j'aime trop les bougies, sauf que en fait, j'aime trop leur packaging. Mais je trouve qu'il y en a plein qui puent. Il y a un beau packaging. Ouais, ça sent propre, mais il n'y a pas un beau packaging. Après, si t'achètes de la déco, c'est super beau. On ferait une mini packaging. Oh, mais moi j'ai un truc Christmas. Si, si jamais. Non, mais ça, j'adore. Good. Les gars, petit haul de ce que j'ai acheté.
Chacal derrière. Oh, c'est pas dégueu ce plan. Alors, bon, je dois vraiment m'avachir, mais bon. C'est laquelle, celle-ci? Ma petite bougie. Comme elle est belle. Oh non, mais elle est incroyable. J'aime pas trop l'odeur. On va se mentir. J'ai un peu choisi la bougie pour son packaging. Mais elle est trop belle. Bon, bref. Y a ma petite chérie qui va partir, qui va prendre son avion. Si t'as de la place, je suis chaude que tu prennes cette bougie. Si t'as du poids encore, de libre. Ok. Et je vais peut-être te filer d'autres trucs. Mais t'as. Mais t'en as déjà acheté une Bassin Body Works qui pue. Ah. Elle pue pas de fou, genre, mais elles sont pas super bon. En fait, ça sent grave plus sucré. Mais ça sent pas sucré, ça. Ah, oui. Si, c'est écœurant. Si, moi, je trouve que c'est un peu sucré. En fait, moi, le problème, c'est que j'aime que les odeurs de propre. Mais les odeurs de propre n'ont pas de beau packaging. Celle que j'ai prise, c'est une odeur de propre. Et c'est tout blanc, simple, basique. Je vais peut-être te filer mes tasses aussi. Grave. Parce que sachez que je vais à Lyon. C'est-à-dire, tout ce qu'elle me fait, ça va être à moi d'abord, pendant un certain temps. Oui, enfin, bon, ça s'appelle revient. Hop ! Un petit résiste sapin, tiens. Comme si c'était nécessaire. Tu tiens mon bon. Bon, les gars, faut que je me prépare. Moi, je m'en vais. Faut que je me déguise. Parce que je vais faire la parade d'Halloween. Je suis tellement fatiguée, les gars. Je vais pas faire mon feu. On a vraiment vu tes pieds. Parce que vous allez me dire, mais Ilona, tu vas te déguiser en quoi? Ouais, ouais. En fait, j'avais. Franchement, les gars, déjà, j'ai pas anticipé du tout le costume d'Halloween. Et franchement, genre, mon coloc là, Aurélien, il a dépensé genre 50 balles pour un haut et genre deux accessoires ou un truc comme ça. 50 euros. Je dis, merci, mais non. Donc, moi, je vais faire avec les moyens du bord. J'ai un top léopard et un pantalon léopard. Le motif ne va pas du tout ensemble. Mais je vais être un léopard. Et je vais me maquiller comme tel. Chaque année, je me dis, vas-y, l'année prochaine, Ilona, tu te la donnes. Et l'année d'après, à chaque fois, je me la donne pas du tout. Et au final, je me retrouve avec un costume genre catastrophique. Il y a rien qui va, c'est horrible. Bon, allez. On va faire le make-up. Sachant que je ne sais même pas si j'ai de quoi faire le maquillage. Faut que je regarde le tuto. Ça commence. Bon, step one, forcer de fou sur le bronzer. Ça me connaît. Faut un petit côté un peu... Pas du tout. Pour être bronzé, on est bronzé. Ok, et là, elle accentue de fou le contour de son nez. Et ensuite, faut faire un méga contouring des yeux et du nez. Les gars, j'ai même pas un pinceau, j'ai un bois. Il est bien ce pinceau, mais bon. En fait, j'ai rien amené moi dans ma valise. Je peux pas te croire. Regarde sur TikTok ce qu'on a raté. Non, là j'en ai rien à faire. Si, c'est cakey. Mais de toute façon, dans les maquillages d'Halloween, faut trust the process. Bon, là, je suis sale en fait. Là, j'ai de la terre sur le visage tellement j'ai forcé. Bah, elle aussi en fait. Hein. Oh, ça fait trop bizarre. On voit pas trop ma tête, mais. En vrai, ça fait comme la fille. Mais ça rend pas aussi bien sans moi. Tac, tac. T'as bien fait tes yeux. Ah ouais, tu trouves? Ça me perturbe. Ah non, mais moi aussi ça me perturbe. JFK. Pas mal. Ça fait bizarre de se maquiller le bout du nez. Ça te fait des beaux yeux. Moi j'ai l'impression que ça me fait loucher. Non, je comprends. Well, well, well. Pas mal, pas mal. Make-up artiste ou pas nous? Pas du tout. Hop, ensuite, elle met un nude en bas. J'aurais pas dû faire ça, purée. Voilà le résultat de mon make-up léopard. On en pense quoi? Franchement, le make-up il rattrape quand même le look. C'est vraiment pas terrible. Voilà le look, c'est vraiment c'est atroce. En plus, mon pantalon qui est vraiment beaucoup trop grand. Mais bon, petit léopard. Au moins, j'ai un costume. Ça m'a rien coûté. Et en plus de ça, je m'encombre pas au retour avec un costume d'Halloween. Il est pas ouf, mais il passe. Et il y a ma petite chérie qui s'en va. J'ai fait ma valise. Juste là. Je suis en train de regarder Target parce que j'ai plus de chargeur de téléphone. Et ton coussin pour dormir. Et coussin pour dormir. Et moi, je m'en vais rejoindre Aurélien, Octave et Laetitia. Peut-être d'autres personnes, je sais pas s'il y a d'autres personnes ou pas. Et voilà, et on va faire la parade d'Halloween. Mais loulou, je suis en train de faire le montage. Je me rends compte que je vous ai pas bien expliqué. En gros, là, je rejoins Octave, Aurélien et Laetitia. Octave et Aurélien, mes colocs, vous connaissez. Et je les rejoins pour faire la parade d'Halloween. Donc, en quoi ça consiste? C'est pas regarder la parade, c'est aller dans la parade. Donc, en gros, c'est ouvert au public, sauf qu'il faut attendre dans la queue, faut y aller en avance, faut y aller suffisamment tôt, etc. Mais c'est accessible pour tout le monde, faut juste savoir. Et du coup, moi, c'est Octave, Aurélien et Laetitia qui m'avaient proposé d'y aller avec eux pour faire la parade. Et du coup, c'est pour ça que vous allez me voir dans la parade et pas dans le public de la parade. C'est deux choses différentes. Et si vous avez l'occasion, faites dans la parade, c'est 100 fois mieux. Il y a tout le monde qui est déguisé, c'est genre trop fait. Vraiment, voir mon retour à l'écran comme ça avec ma tête, ça me perturbe. Mais tout le monde est déguisé, genre c'est trop mignon. Bon, bah du coup, j'étais censée les rejoindre au rooftop. Ils m'avaient dit qu'ils allaient partir vers 18h30. Il est genre 18h20. Et ils me disent quoi? Non, on est à la parade. Je suis dégoûtée.
fait. Du coup, ils sont partis à la parade, alors que normalement, bah, ils devaient être au rooftop et tout encore. Je sais pas du tout si je vais réussir à les rejoindre. Je pensais qu'on allait y aller ensemble. Je suis ravie. En plus, Octave et Aurélien, ils répondent pas à leur tel. Il y a que Laetitia qui a répondu, mais genre sur Insta, genre c'est archi pas pratique. Super chiant. Je sais pas si je vais réussir à les rejoindre. Parce que du coup, il y a genre une foule de malades. Genre, c'est impossible de rejoindre les gens normalement. Mais toi, c'est quoi ton déguisement, toi? C'est quoi? C'est vampire? Non, chevalier? Ça passe pas, cigarette. C'est vampire. Ça passe pas, cigarette. Laetitia. Il y a que des Français, c'est une dinguerie. Il fait très peur. Il est terrifié. Vraiment, Octave, t'es vraiment quelqu'un d'original en tout cas. On copie. C'est le film de l'année aussi. Allez, les gars, petit débrief sur le chemin du retour. Du coup, j'ai quitté la parade. Là, je rentre chez moi. Je suis pas restée avec les autres. Les autres, ils sont partis au bar. Franchement, j'avais pas la foi. Je suis crevée parce que du coup, j'ai passé une semaine genre éreintante. Mais du coup, j'avais vraiment pas du tout envie d'aller au bar. Et je sais que, en me connaissant, je savais que j'allais pas du tout avoir assez d'énergie. J'allais juste empirer ma fatigue. J'aime bien filmer dans la rue, j'ai l'impression que ça me rassure. Mais bref. Puis je me dis, s'il y a un fou qui vient, bah il est filmé quoi. C'est pas ça le sujet. Du coup, là je rentre. Il est quelle heure? J'ai encore eu des galères de métro, ça me saoule. Il est 22h14. Alors je suis partie, genre il devait être genre 21h30. Mais bon, perdu aussi de vue Octave et Laetitia durant la parade, parce que eux ils ont tracé, nous non. Bref, je vous fais le bilan de ce que j'ai pensé de la parade en rentrant. Mes petits chéris, on se retrouve sans transition. Je suis démaquillée, douchée, j'ai mangé. Maintenant je vais faire ma skincare. Du coup, la parade d'Halloween, comment ça s'est passé? En fait, comme vous avez pu le voir, Octave et Aurélien ne m'avaient plus donné de nouvelles depuis un moment, parce qu'ils avaient rangé leur téléphone et mis leur téléphone en mode avion.
Pourquoi, je ne sais pas, ils sont bêtes. Mais bref, du coup, grâce à Laetitia, j'ai réussi à les retrouver. Franchement, sans elle, c'était ciao. J'aurais pas pu. Heureusement qu'elle était là et que j'avais son Insta, quoi. Et du coup, en fait, on s'est mis dans la queue. Et du coup, il y avait aussi deux collègues à Aurélien qui étaient là. Aurélien, il est serveur et il y avait deux collègues à lui. Du coup, c'était trop sympa. Donc, on a bien discuté et tout. C'était sympa. Ça fait passer le temps parce qu'on a attendu, je pense, 1h30 au moins avant que la parade commence réellement. Alors, nous, avec Aurélien, on n'était pas du tout renseignés. Enfin, nous, on pensait que ça allait vraiment commencer tout de suite. Et en fait, pas du tout. On a dû attendre, genre, au moins 1h30. Facile. Du coup, c'était très long. C'était chiant. Mais après, on a commencé à avancer et en fait, ils avançaient vraiment bloc par bloc. Du coup, là, c'était sympa. Aurélien, à un moment, il est parti aux toilettes. On l'avait perdu. Et c'est pile à ce moment-là où on a avancé, forcément. Comme vous avez pu le voir, il y avait des chars, il y avait de la musique, différentes musiques, il y avait des tambours, il y avait plein de choses. C'était génial. Des costumes, des gens, mais c'était exceptionnel, franchement. Des costumes mais incroyables, avec beaucoup d'humour aussi. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que, enfin, moi, je me suis dit, bah, parade Halloween, enfin, voilà, il va y avoir des chars trop stylés. Un peu en mode Disney pour Halloween, quoi. Enfin, c'est New York, c'est les US, tout est en gros, etc. Et j'ai été extrêmement déçue des chars. Vraiment, les chars, j'ai trouvé, genre, vraiment pas ouf. Peut-être que j'en ai loupé certains et que je les ai pas tous vus, mais franchement, je trouvais vraiment les chars pas ouf. Mais par contre, ce qui était incroyable, c'était vraiment les gens, l'ambiance. Tout le monde était ultra joyeux, super content d'être là. Il y avait beaucoup de partage, beaucoup de Français aussi. C'est une dinguerie. J'ai jamais été autant entouré de Français dans un pays étranger. Les gens dansaient, les gens rigolaient ensemble. Franchement, c'était une ambiance de fou. Il y avait les danseurs aussi au tout devant de la parade, comme vous avez vu. C'était incroyable, trop stylé. Franchement, c'est fou. Je suis trop content d'avoir vu ça en vrai. Du coup, voilà, on a remonté toute la rue. C'était la 6ème avenue, du coup. C'était de Canal Street à la 17ème Street. Et c'était super. Franchement, je suis ravie de l'avoir fait. Parce que, en tout cas, mes loups, je pense que je vais arrêter cette vidéo-là. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre votre retour en commentaire, comme d'habitude. Et moi, je vous fais de gros bisous. Et on se dit à lundi. Bisous.